Salut tout le monde, ici PH pour Stack.ca, présentement en direct pour le break numéro 40. Et on vient un peu en arrière parce que dernièrement on a fait le break numéro 50, mais c'est pas grave, hein? C'est juste des numéros, l'important c'est le contenu et qu'on ne vous oublie pas. Et parlant de ne pas vous oublier, bien, vous avez répondu à l'appel, je vous ai promis aussitôt qu'on était à environ une dizaine de spots et moins de faire un plein pas plein, et voilà, ça a été fait. Et ça a bien répondu. Un spot sera à faire tirer. Donc, parmi tout le monde, une place sera gratuitement redistribuée. Bravo, bravo. Donc, nous sommes, oui, bien sûr, en direct pour un 5 boîtes. 6, 5, 6, 5, 5, 2, 4, 5, 5. C'est ça, je fais mon long jeu avec ça ici. Alors, un merveilleux 5 boîtes ici, du série 1 de cette année, 2021. Série 2, 19-20, deux artefacts de deux années différentes. Et l'ultime sommet, l'ultimate, la cinquième boîte et la dernière. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil tout de suite à notre liste. La voici. Alors, une personne parmi les 30 se méritera la 31e place grâce à un merveilleux tirage qui sera fait par la firme de random.org, bien sûr. Alors, je regarde, je crois qu'on est pas mal prêt. En fait, j'en profite pour saluer Marky. Salut. Je t'ai répondu tout à l'heure, mais officiellement, de vive voix, salut. Oh, you failed French. OK, no, it's not your fault. I'm glad to see you, Mark. Hi from me. I hope you're... are you in the break or only a watcher? Let me see. I think you're not in the break. Am I right or wrong? Well, welcome to you. If you want to participate... you can watch and just participate and ask any question you want. Pour ceux qui se demandent à qui je parle, sur une autre plateforme, parce que je suis multiplateforme, nous avons Facebook deux fois. Alors, sur la page et le groupe, nous avons Twitch, YouTube, Breakers and, .tv. Et je pense que c'est tout. Il y en a beaucoup. Alors, bref, chaque personne sur chaque plateforme peut interagir avec moi. Moi, je veux quand même juste vous dire que je suis pas fou, je suis pas cinglé. Je parle vraiment à quelqu'un de l'autre côté et c'est pas nécessairement sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Donc, gênez-vous pas à poser des questions. Je vous nomme pas nécessairement au complet, mais je dis à qui je m'adresse et je m'assure de faire le suivi auprès de tous les auditeurs et auditrices. Et bien, sans plus tarder, je crois qu'on va aller vers notre détermination pour savoir qui se méritera le dernier, la dernière place, la 31e. So, just to let you know, we will do a random between the 30 spots for the 31st or 31st, or whatever, for the last spot to complete the break. Just after that, we will do three random from the team, and after, for every participant, we match both lists and we break. Alors en français, trois fois, on va faire trois tours de brassage avec les 30 noms présentement ici pour déterminer notre place gagnante finale. Ensuite, trois fois brassage pour les équipes, trois brassages pour les participants et participantes. On assemble les deux listes et ensuite on break. Tout ça vous sera envoyé dès demain matin, sans faute. Alors que diriez-vous de peut-être procéder? Alors, j'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre support. Et c'est toujours apprécié d'être avec vous à tous les soirs. Alors c'est parti pour notre tour de brassage. Qui se méritera la dernière place? Alors, salut Maxou! C'est un retour! Alors c'est parti pour notre deuxième tour. Voilà, le deuxième tour est complété. Et notre troisième tour, roulement de tambour. Qui sera le ou la gagnante? Eh bien, félicitations, c'est Karl! Bravo à Karl, qui se mérite la dernière place pour compléter le break. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec le mélange de nos 31 équipes de la Ligue nationale, fait par le biais de random.org. Let's go for our random for the teams. Faut bien faire faut faire des sacrifices, le Maxo. Deuxième tour de Buffalo à Vancouver et notre dernier tour de brassage de Buffalo à Toronto. Maintenant, le tour de nos participants.
C'est parti pour le premier random de Nicolas à Kevin. On passe une deuxième fois. C'est parti de Jonathan à Karl. Et on y va pour un troisième random. Et le final, juste avant que nous assemblions les deux listes de Karl à Nicolas. Et c'est parti, on remet ça dans l'ordre alphabétique des équipes. Allons faire un petit tour très rapidement. Le temps que je vous rappelle que, ici, là, nos trois codes sont à consulter via le site de random.org. You can go on the random.org website to confirm that we did three random for each list. So don't waste your time. Go to the random.org and go check with the code. You must have the code, and you should have it in your phone by texto or email. Par email, par texto, vous avez reçu le code. Vous pouvez le valider en tout temps sur le site de random.org. Et ta journée est bien été. Oh. Ah ben c'est bien ça, une petite formation. Une journée formation, ça fait du bien des fois de se recentrer. Hein? Une journée qu'on n'apprend rien est une mauvaise journée. Alors, un petit tour très rapide de savoir quelles années que nous avons. On a du 20-21, du 19-20 et du 18-19. Écoutez, on fait le tour de pas mal toutes les... Ah non, c'est 19-20, pas 18-19. Donc, 19-20 et 20-21, qui avons-nous? Qui avons-nous? On a l'Arizona qui peut être intéressant. Avec... Attendez un instant. OK. Boston de Sammy, qui peut être bien aussi. Buffalo de Carl. On a Chicago, qui est toujours une excellente équipe pour Nicolas. Le Colorado, encore Nicolas. Ah, ça, c'est plate, par exemple, mon Maxou. 2-3 Advil, un bon petit sommeil. Ça va faire du bien. Dallas aussi, qui est très, très populaire en 2021 avec Kevin. Les Oilers d'Edmonton pour Alexandre. On a naturellement le Wild à suivre, peut-être pour la boîte, ou ouais, plus la boîte ici de 2021 d'Artifacts avec Kaprizov et le Wild. Le Canadien de Carl, félicitations. On a les Rangers de Marc-André, qui peut être excellent. Ensuite, New Jersey, toujours bon. Ottawa aussi, excellent. On a Jonathan avec Pittsburgh. Julien, ben, t'as une équipe que j'adore, c'est-à-dire les Sharks. Je le dis à chaque break, vous allez voir. Nicolas, encore Toronto. J'espère que tu es content. Vancouver pour Kevin. Et on a naturellement pour Washington, Kevin. Donc, on va passer à notre scène suivante. Ben non, tu peux pas y aller là, mon Max. Faut que t'attendes la fin du break. T'as pas le choix, là, t'as commencé. C'est comme moi, quand tu commences une série télé, tu veux finir ton épisode. T'écoutes le film, faut que tu finisses le film. Alors, allons-y. On va débuter tranquillement avec la série 2. On va faire la série 2 en premier. Qu'est-ce que vous en dites? On va juste tourner ça de côté. Comme ça, j'aime ça qu'on voit le nom des boîtes. Comme ça. Parfait. Et voilà. Donc, on va aller faire la retail de série 2. Série 2, 19-20. Dépend. Non, une bonne série. C'est une série que t'aimes, là. Je veux finir l'épisode, puis qu'est-ce qui arrive après? Ben, généralement, t'en pars un autre. C'est tout le temps comme ça quand t'écoutes une bonne série. Fait que, bon break. Tu peux écouter ça aussi sans fatigue. Je sais, t'en es capable. So, good luck, everyone. Bonne chance à tout le monde, dernière étape que j'ai complètement oubliée. Voilà, je vous remets la liste des équipes. Salut Karl, merci, bon break aussi à toi. Bon break à tout le monde. Have a nice break, everyone. C'est pas grave, c'est pas longtemps. Reste Maxou. OK, on est parti. Et le premier paquet, on a déjà une Young Gun ici. David Gustafsson pour les Jets de Winnipeg. Holy Jets. Winnipeg Jets. Alors, les Jets de Winnipeg ici pour notre cher ami Eddie. Et voilà, David Gustafsson, première Young Gun de 6. Alors, Retail 19-20, je vous rappelle qu'en 19-20, série 2, on avait des noms assez intéressants, dont un certain... Nick Suzuki, de mémoire. Et nous avons Barrett Hayton, Portraits Rookie,
pour l'Arizona. Pour les Coyotes. Pour les Coyotes. Prochain Packer. On y va ici avec une OPC de Nazem Kadri. Pour le Colorado, Nazem Kadri. Update OPC. Justement, si tu es brûlé, mon Maxo, là, ça va te faire juste du bien, là, relaxer un petit peu à m'écouter. Hein, tu vas voir. Une autre OPC, Marky Rookie Update de Jakob Lilja pour les Blue Jackets de Columbus. Prochain paca. Je vais me replacer, on dirait que je suis croché un peu. Ah voilà, là c'est mieux. On y va avec une deuxième Young Gun. Second Young Gun, Philip Zadina pour les Red Wings de Détroit. For the Detroit Red Wings. Philip Zadina. Come on, come on. Come on, baby, light my fire. Oups, déjà une sleeve ici. Réutilisation d'un top load 9. Et voilà. Ça, c'est quand je fais du shipping et que j'ai pas vu qu'une personne a deux équipes. Philip Zadina, Young Gun pour les Red Wings de Détroit. C'est très bon pour les Red Wings de Marc-André. Prochain pack. Nous y allons avec une Canvas pour le Wild, Zach Parise. Zach Parise. On dirait qu'il joue depuis tout le temps. J'ai l'impression qu'il est là depuis 30 ans dans la ligue. Pourtant, je ne sais même pas si ça fait 12. La prochaine. Oh, je crois que nous avons notre premier paquet de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et non, je ne compte pas les pas de danse. Mais les paquets de base contiennent en général 8 bases. Alors, premier paquet de base de cette boîte retail. Série 2. On continue avec une Portraits. Rookie de Tyro Heroes pour les Red Wings de Détroit. J'avais un peu oublié à quel point il y avait beaucoup de recrues pour les Red Wings également. Alors, Marc-André devrait être un peu gâté également avec Zadina, Heroes. Et peut-être des possibilités aussi, je crois, de la Canvas de celui que j'oublie toujours le nom. Young Gun ici, Noah Gregor pour les Sharks. Les Sharks de San Jose. Pour les Sharks. Qui donc les Sharks? Ah oui, c'est vrai. C'est Julien. En passant, salut Julien. Je sais pas si tu es là. Je pense que c'est la première fois que j'ai l'occasion de te voir participer. Alors, bienvenue, si c'est le cas. Noah Gregor pour les Sharks de San Jose. Je te souhaite la plus grande des chances. Avec les Sharks, quand même intéressante comme équipe. Ça va être intéressant, surtout sur le futur. Je suis pas mal certain que il y a beaucoup de jeunes qui vont éclore très bientôt. Marky Rookie Retro pour les Kings de Los Angeles. Tobias Bjornfot. Tobias Bjornfot. Size. Ben merci Florence. Écoute, j'étais sur le bord d'avoir raison. J'ai dit 12. Ou pas tout à fait 12, mais j'étais pas loin. J'étais pas loin. À 4 ans après. Scott Sabourin pour les Sénateurs d'Ottawa. OPC, Marky Rookie. Mais merci de l'information, Florence. Ça va m'éviter d'aller chercher à la fin. Hey, c'est vrai, t'as tout à fait raison, Marc-André. Mon Dieu. Young Gun Canvas pour les Maple Leafs de Toronto. Rasmus Sandin. Rasmus. C'est pas un groupe de musique, ça, de Rasmus. Alors, pour Toronto, de Nicolas Dubois. Ouais, Nicolas. Rasmus Sandin, Young Gun, Canvas. Félicitations. Et Toronto, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une tendance à oublier, c'est lequel des deux? C'est-tu Sandin ou c'est Mikhaïev qui a été échangé? Il s'était ramassé comme à Pittsburgh, ça se peut-tu? Je pense que c'est Sandin. Je pense que c'est Sandin. Je sais plus.
Ma mémoire fait défaut ce soir, je suis désolé. Prochaine Young Gun ici, Jonathan Davidson ou Jonathan? Jonathan? Non, c'est Jonathan. Jonathan Davidson, le Suédois. Alors, notre quatrième Young Gun déjà, pas mal certain d'arriver à 4 pour les Sénateurs d'Ottawa, de Carl. Alors voilà, Carl, Jonathan Davidson. Jonathan. Je sais pas si en Europe, il faut dire Jonathan. Je vais tout de suite sortir le merveilleux podium de la gloire. Puis je vais vous mettre, pour nous inspirer un peu, là, Philippe Zadina. OK. Alors Zadina, inspire-nous, s'il vous plaît. On veut quelque chose de magique. Je sais qu'on a une retail comme première boîte, mais des fois dans les retails, on peut avoir une programme avec sa lance en plus d'une Young Gun Canvas. C'est du déjà vu. Portraits, UD Portraits, oui. De Trevor Moore, rookie pour Toronto. En plus, Marc-André, je sais pas si ton frère en a parlé, mais il t'a dit que j'y ai montré, hein, j'y ai prouvé que j'avais bel et bien déjà assisté à l'ouverture d'une tin qui contenait plus d'une cinquantaine de Young Guns. Oh, oh. Blue Parallel, OPC Retro de Nicolas Hague pour Vegas. Donc, Marky Rookie, OPC Update, Nicolas Hague, Blue Parallel. Prochain paquet, nous avons une Marky Rookie, Morgan Frost, pour les Flyers de Philadelphie. Ah, ça, j'ai vu une base un petit peu maganée. Corey Schneider, ouf. Ah, il t'en a pas reparlé, le coquin. Ha ha ha. Mais en effet, j'ai pris une vidéo de la vidéo. Parce que je peux pas la partager, étant donné que c'est un groupe pour lequel peu de personnes sont membres ou sont encore membres. Bref, Young Gun pour, encore une fois, les Maple Leafs de Toronto, Pierre Engvall. Et lui ici, si je ne me trompe pas, est un Suédois. Alors, Pierre Engvall pour les Maple Leafs de Toronto. Voilà, Ljungby, Sweden. C'est bel et bien un Suédois de 6 et 5. Alors, tu lui diras qu'il transfère ça, cette petite vidéo-là. Moi, je t'avoue, je l'ai supprimé de mon téléphone. Je prends tellement de photos avec les cartes et tout ça dans une semaine que faut malheureusement que je fasse du ménage assez rapidement. Quoi que je pourrais, si tu le veux vraiment, viens me voir en privé, je pourrais te le transférer. Brad Marchand, Canvas pour les Bruins de Boston. Brad Marchand pour les Bruins. Prochain paquet. Ça ressemble à un paquet de base. Recomptons pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Paquet de base. Le deuxième de notre première boîte. Retail. Prochain paquet. Yoli Portraits. Rookie de Kirby Dack. Pour les Blackhawks de Chicago. Kirby Dack. Kirby Dack. J'ai-tu vu qu'il avait été reblessé, lui? Je sais qu'il était. On a tous vu sa merveilleuse blessure au championnat junior. Le poignet qui semble y avoir tourné solidement. Juste avant, on va aller dévoiler la sixième Young Gun ici, de Adam Bockvist pour les Blackhawks de Chicago. Adam Bockvist. Et si je me trompe pas, c'est le frère de Jasper Bockvist. La dernière fois que j'ai dit ça, c'est parce qu'on avait une carte de Jasper Bockvist. Et maintenant, nous avons Adam Bockvist. Voilà, pour les Blackhawks de Chicago. Trois paquets dans notre retail. Trois? Oui, trois. Je crois bien qu'on a malheureusement déjà nos six Young Guns, plus une Young Gun Canvas, qui est quand même bien. Donc ça en fait sept au total. Matt Duchesne, rétro. Pour les Preds de Nashville, update rétro Peachy. Ben écoute, demande spéciale, ça va me faire plaisir. Tiens mon Noah, et tiens Julien, ça me fait un grand plaisir. Tiens Noah, est là. Alors Noah va nous inspirer. C'est lui qui va amener la chance dans le break. Allons-y.
Emil Bemström pour Columbus OPG Update. Dernier paquet de retail. Come on. Un petit quelque chose, là. Juste un petit quelque chose de spécial. N'importe quoi. Quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on a? Ben, ça va être une canvas ici de John Klingberg pour les Stars de Dallas. John Klingberg. On va aller faire tout de suite l'autre série de Young Gun. Cette fois-ci, c'est une boîte Hobby. Voilà. Hobby de 2020-2021. Voilà. Nécessairement. On n'a que deux yeux pour les Rangers en grande partie. À cause de notre cher ami Alexis. On voit la boîte vide. On va reculer un peu nos vedettes du podium de la gloire. Voilà. Good, good, good. Et c'est reparti. 24 nouveaux paquets. Cette fois-ci, je vous le rappelle, bonne chance. Je ne le dirai jamais assez. La chance, on en a toujours besoin. Et c'est une première carte ici pour les Rangers de New York. Artemi Panarin. Artemi Panarin NHL Worldwide. Pour les Rangers. Vous allez bien que je parle des Rangers et de Alexis pour sortir une première carte pour les Rangers. La prochaine carte ici sera une canvas. Et c'est une Young Gun Canvas de Jake Oettinger qui s'amuse avec sa gourde. C'est soit qu'il fait un test de gravité ou il taquine quelqu'un au sommet. Alors juste pour le plaisir, Young Gun Canvas, Jake Oettinger. Alors vous... Tiens. Il semble que la photo sera encore plus drôle comme ça. Ça coule. Et voilà, oups, attention Philippe, tombe pas. Alors, une merveilleuse Jake Oettinger. C'est ça Jake, hein? Ouais, Jake. Jake Oettinger. Lui ici, il a eu un peu plus de travail cette année avec la blessure de Ben Bishop. Notre première Young Gun ici, c'est Dylan Coughlin pour les Golden Knights de Vegas. C'est donc une Young Gun, Dylan Coughlin. Oui, je pense que c'est lui hein, qui a fait un tour du chapeau, puis tout le restant de la saison, il n'y a pas eu d'autres points, ou du moins pas d'autres buts. Mais quand même, c'est intéressant. Un défenseur qui pourrait être un caractère offensif, Dylan Coughlin, pour les Diamondbacks. Diamondbacks. Trompette sport, désolé. Golden Knights. De Las Vegas. Quand on joue avec trop de sports dans la même journée, on finit par tout les mélanger. On a une Dazzlers. Dazzlers de Sidney Crosby. Sidney Crosby. Allez, rentre là, Sidney. Allez, Sidney. Voilà. Je crois que c'est une bleue. Et est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Validez, s'il vous plaît. Je pense que j'ai raison. Je l'espère du moins, donc Blue Dazzlers de Sidney Crosby pour les Pingouins de Pittsburgh. Alors, bravo mon Jonathan. Chez Weber. Blue. Hey, c'est une bleue. Ah oui, non. En attendant, j'ouvre un paquet qui me tient tête. Tiens-toi. Voilà, j'ai gagné. Ouais. Merci. Autre Young Gun ici. Il s'agit de Connor Ingram. Le gardien des Prédateurs de Nashville. Connor Ingram. Qui vient d'Impérial en Saskatchewan. Quand ta vanne pogne une panne en Saskatchewan, t'appelles la remorqueuse pis tu t'en vas où là? Pendant qu'on répare ta vanne pis après tu là. Ok, suffit de ce bon oncle Serge. Alors, Connor Ingram, Young Gun ici pour les Prédateurs de Nashville. Faut-il dire un Saskatchewanais? Il me semble que c'est long. Comment qu'on dit non? Le nom là, pour décrire le nom d'un habitant d'une ville ou d'un pays. Le nominé, non, le... Libellé, non, bref...
Saskatchewan. Saskatchewan. C'est quand même long, hein? Travis Konecny. Portraits pour les Flyers de Philadelphie. Question existentielle. Il y a celle-là aussi, Alexandre, en effet. C'est pas la première à laquelle... Gentil! Wow! Merci, Florence, t'es toujours là. Grâce à toi, tu me souffres toujours la réponse. Merci, merci, merci. Et pour ça, la prochaine carte, c'est une Young Gun de Joseph Wall. Gentil, exactement. Alors, Joseph Wall, Young Gun pour Toronto. Voilà pour les Maple Leafs. Joseph Wall. Lui, il vient de Dardenne Prairie. J'aime ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours, depuis que je suis tout petit, quand je collectionnais les cartes à 5, 6, 7, 8 ans, j'essayais de toujours de remarquer de quel pays, quelle ville le joueur en question venait. Je fais ça encore aujourd'hui. C'est fou, hein? Canvas, ici, pour les Caps de Washington. Jakob Vrana. Jakob Vrana. Mais je me demande vraiment encore. Est-ce que. Faut dire Saskatchewan, je crois. Saskatchewanaise. Je vois pas autre chose. À part que dans le prochain paquet, on a ici une Predominant de John Gibson pour les Ducks d'Anaheim. Jackets of Flames. Non. On n'a pas de variation. 2021, je vous rappelle, là, il y a le potentiel d'avoir des variations, ou plutôt des variantes françaises. J'aime dire variation parce que variante, ça me fait juste trop penser à la COVID. C'est mal. UD Game Jersey de Kevin Hayes pour les Flyers de Philadelphie. Alors, UD Game Jersey, c'est celui-là ou non, ça c'est trop gros. Ouais, celui-là, je suis pas sûr. Oui, c'est lui. Ça rentre. J'en suis à mes derniers mille avec ce que j'ai ici. Alors, Kevin Hayes pour les Flyers de Philadelphie. Kevin Hayes. Saskatchewan. Tu m'as pris, ma femme. Le prochain paquet ici. Nous avons une debut dates pour les Devils du New Jersey. Nikita Gusev. Debut dates. Nikita Gusev. Are you still there, Mark? Still watching, even if I speak mostly in French. Prochain paquet. Darcy Kuemper. UD Portraits pour les Coyotes de l'Arizona. UD Portraits. On continue, on lâche pas ça. Là. Il nous reste encore quand même plusieurs Young Guns. On en a deux, trois. Coughlin, Ingram. Ah oui, well, le quatrième. Oh, c'est bien pour les Blackhawks de Chicago. Pour les Blackhawks, Young Gun, Philippe Kourachev. Saskatchewan, nice. Ah, c'est ça. Exact. C'est ce que j'étais en train de me dire. Merci de confirmer. Donc, Philippe Kourachev, Young Gun pour... Ah, je pensais que c'était un Russe. Ah, ben, on en apprend. C'est un Suisse. Pour les Blackhawks de Chicago, Philippe Kourachev. On continue. Et s'il y a des gens de la Saskatchewan en place, ben, salut tout le monde. Très heureux que vous soyez là. Si vous parlez français, bien sûr, je peux m'adapter en anglais si vous ne comprenez pas. Nikita Gusev, Canvas, qui porte le numéro de Connor McDavid, pour les Devils du New Jersey. La dernière chose que Google m'a dit, c'est... Non, je ne vous dirai pas ça. Garde une petite gêne. C'est pas nécessaire. Leon Draisaitl pour les Oilers d'Edmonton. Predominant. Predominant pour les Oilers. Et on continue avec le prochain paquet.
Lui, il a décidé de s'ouvrir juste au centre, mais pas sur les côtés. Et on a une Young Gun. Alors, qu'est-ce que la Young Gun nous dit ici? Oh, nice! Boom! Pour Vancouver. Oui, 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 Vancouver, jeune loup! Ah ouh! Il n'y a pas de loup à Vancouver. Ben, je veux dire, moi, la mascotte n'est pas un loup. Et félicitations à Vancouver, Kevin! Jeune loup de Michael DiPietro! Variante française Young Gun pour le gardien. Recrue des Canucks de Vancouver. C'est une jeune loup! Et il attrape de la gauche. Jeune Loops pour les Canucks de Vancouver. Félicitations, Kevin, pour la jeune loup. Et généralement, avec les jeunes loups, j'ai souvent vu avec une variation ou quelque chose. Non, il n'y a rien d'autre. Une jeune loup, comme ça, seule, dans le paca. Bien, c'est rare que j'ai vu ça. D'habitude, il y a souvent une deuxième carte comme une canvas ou une autre Young Gun sur le dessus et la jeune loup est dessous. Alors, ben, une chance que je l'ai vu, hein. Des fois, preuve que faut jamais se fier à ce qu'on pense, toujours à ce qu'on voit. Pride Dominant, Jack Eichel pour les Sabres de Buffalo. On continue avec notre prochaine carte qui est une Portrait Rookie pour les Islanders, Kiefer Bellows. Kiefer Bellows. Portrait Rookie. Notre prochain paquet ici est une Igor Shesterkin Rookie Rétrospective. Rookie Rétrospective, Igor Shesterkin pour les Rangers de New York. Twitch. Je ne connais pas beaucoup la plateforme Twitch. En fait, je pense que je n'y ai jamais moi-même allé. Une canvas ici de Elvis Merzlikins pour les Blue Jackets de Columbus. Elvis Merzlikins. Il était content. D'après moi, il a gagné ce match-là. Chose qu'il n'a pas dû faire beaucoup cette année. Sans dire que l'équipe n'est pas bonne. Je sais qu'il y a eu un peu de misère. Je sais pas si l'équipe en général aussi a eu beaucoup de misère. Elvis Merzlikins. On a une Young Gun. Une Young Gun. Il s'agit de Vitali Kravtsov pour les Rangers. Vitali Kravtsov. Vitali. On s'imagine toujours les Russes avec une voix grave quand ils disent « Vitali ». Alors, venant de Vladivostok en Russie, Vitali Kravtsov pour les Rangers, qui va les rejoindre notre podium. Ah, ça doit être ça. Ben, on ne sait pas officiellement si c'est une retraite. Ce qu'on sait, c'est que probablement d'un commun accord, Tortorella et l'équipe auraient décidé de se dissocier un de l'autre. Oh! On a une carte intéressante ici. Je peux vous dire, ça va être pour un Suédois. Alors, c'est une carte avec un drapeau de la Suède. Alors, mais c'est une version die-cut, donc présumément une version gold. Oups, c'est de l'autre côté. Alors, version gold. Ici pour les Caps de Washington, Nicholas Backstrom. Alors, c'est la version die-cut gold pour les Caps de Washington de NHL Worldwide. Je pensais que c'était numéroté. Mais non, ce n'est juste pas numéroté. Voilà. Alors, Nicholas Backstrom. Là, juste vous dire, c'est un genre de carte, étant donné qu'on dit die-cut, là, c'est les cartes qui sont pas rectangulaires. Vous voyez ici, là, tous les contours, là, ça vient du paquet comme ça, ça frotte un petit peu. C'est dommage parce que c'est quand même des belles cartes. Moi, j'ai refait toute la série des NHL Worldwide comme ça, mais
J'espère quand même que c'est pas trop pire. Les odds sont pas si pires. Juste en haut ici. Et un petit peu en bas. Alors, pour les Capitals de Washington, NHL Worldwide Gold pour Nicholas Backstrom. Reste deux paquets. Ensuite, on va aller faire un petit tour dans l'Artefacts. Deux années Artefacts. La Young Gun, on va se la garder pour la fin. Dernière Young Gun. Voilà pour ce paquet-ci. Une Portraits de Tyler Bertuzzi. Qui aurait pu se faire arranger un peu les dents avant la photo. Tyler Bertuzzi pour les Red Wings de Détroit. Yuli Portraits. Oh, baby, baby, it's a wild world. Alors, je crois que notre prochaine carte ici sera une Young Gun. Est-ce une Young Gun ou une... Ah, ben quand même, c'est pour les Rangers, pas de random. C'est quand même intéressant, pourquoi pas? Tiens, pour les Rangers, Alexis Lafrenière et Vitaly Kravtsov. La Young Gun... Checklist. Young Gun Checklist. Holy Rangers. J'espère pour les Rangers qui ne changeront pas de coach et qui n'iront pas engager. Passerelle là. Voilà, Young Gun ici, Checklist. Les Rangers de New York. Vitaly Kravtsov et Alexis Lafrenière. Duo de recrues pour l'année 2020-2021. Ah. Ok, on passe maintenant à notre artefact. On va faire l'artefact 19-20. On va mettre les deux boîtes comme ça debout. Voilà. Alors, 19-20 artefact. Je connais une personne en ce moment qui doit être... Ouh, ça doit être beau, ça doit être beau. Qu'est-ce qui s'en vient, hein? Hein? Marc-André, je sais que c'est un produit que tu aimes beaucoup. Alors, souhaitons aussi que tu puisses en tirer au moins une carte pour toi. Donc... Artefacts en 1900. Oh boy, je suis reculé d'un millénaire, moi. Boîte vide. Mais peut-être pas un millénaire, peut-être plus un. Well, pas un centenaire. Comment on dit ça? Une décennie. Well, maudite affaire. Un siècle. Ouh, je l'ai eu. Oh là là. Alors, finalement, non. On va rester en 2019-2020 pour cette boîte d'artefacts. Et c'est un départ. Bonne chance. Notre première carte ici ira pour les Penguins de Pittsburgh. Attends, j'ai juste... j'ai plus beaucoup de sleeves. J'ai juste un petit peu les économiser sur 5,99. Mario Lemieux. Pour les Penguins de Pittsburgh. Mario Lemieux. Prochain Packer. Quelle équipe que t'as, mon Mad. Mad 3M. Alors, Mad, qu'as-tu comme équipe? On va regarder ça en temps et lieu parce que nous avons une Redemption. Qui dit Redemption dit probablement une validation. Et derrière John Carson se cache une Redemption de... Les Prédateurs, des Preds de Nashville. Qui était la Redemption des Preds de Nashville? Et c'est Steve qui a la Redemption ici pour les Prédateurs, pour les Preds. Ça m'intrigue. C'est moi une petite seconde, allez-vous confirmer le tout. Alors... Artefacts Redemption, j'ai ça juste ici sous la main. Pas besoin d'aller très très loin. Alors, Nashville, il s'agit de Rem Pitlick. Rem Pitlick pour les Preds de Nashville. C'est donc une Redemption pour les Predators. Rem Pitlick. T'en as un autre, ça, je pense qu'il y a un frère. Oh, on a une R-Room. Alors, les paquets qui ont des R-Room, normalement, ont une carte de base de moins.
Et allons voir ça tout de suite. Et c'est une Patrick Kane. Patrick Kane pour les Blackhawks de Chicago. Haroom. Patrick Kane. Voilà pour les Blackhawks. Voyons. Patrick Kane, Haroom. Pour les Blackhawks de Chicago. Prochain paca. Ah, c'est fou, hein? Au toucher, je sens tellement la différence d'épaisseur entre les paquets de série 1, série 2 de tantôt et de Artifacts. Une bonne différence. La prochaine carte ici, elle est pour Las Vegas, Marc-André Fleury, Artifacts Ruby sur 399. Alors, Marc-André Fleury pour Las Vegas sur 399. Oups, ça va ici. Ça, ça va là. Cinquième paquet. Oh, we have a patch. On a une patch. Et derrière, Claude Giroux. Oh, boom! Pour Vegas, Marc-André Fleury. Boom! Ok, oui, Marc-André Fleury. Double patch numéroté 7. De 8. Mettre un petit peu de volume, on n'entend pas beaucoup la chanson. Oh oui! Marc-André Fleury. Est-ce qu'on est dans le mauve purple ou le bleu foncé ou le violet? Wow! Alors, j'allais exactement mentionner que Florence va être assez jalouse. Je me rappelle, sans être une très grande fan de Marc-André Fleury. J'en ai vu une sur 399 passée, mais ensuite, elle a vu celle double patch. Une de deux couleurs et une de trois couleurs, numérotées 7, 2, 8. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'envers, c'est Sidney Crosby. Alors, félicitations à Las Vegas. On sait jamais, peut-être, tu pourrais contacter Eddie. Et peut-être cette carte pourrait éventuellement être disponible. On ne sait jamais. Alors, félicitations à Eddie pour Las Vegas. Belle Marc-André Fleury. Double patch. Très belle carte. Avec les couleurs de Las Vegas. Et... wow! La prochaine ici s'en va aux Ducks d'Anaheim. C'est une un gold ou copper. Un ou l'autre sur 299 Adam Henrik. Pour les Ducks d'Anaheim. Alors, pour les gens qui ne le voient pas, j'ai Florence ici qui participe au break également, qui est une grande fan de Marc-André Fleury. Et il y a, je crois, un petit brin de jalousie et en même temps de fierté d'avoir une belle carte de Fleury sortir comme ça. La prochaine pour les Oilers d'Edmonton sur 99. Celle-ci est une green, donc ça veut dire Emerald de Ryan Nugent-Hopkins. Alors, RNH pour les Oilers d'Edmonton sur 99. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le but de Connor McDavid tantôt? Hop, 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 boy. Dernier paquet. Artifacts. Numéro 19-20, parce qu'ensuite on passe à 20-21. Alors, on y va. Tyler Seguin, Doughty. Et on termine avec une Ryan Strome. C'est pour les Rangers de New York, numéroté sur 165. Alors, Ryan Strome pour les Rangers. Ryan Strome sur 165, la 34. Ça doit être elle aussi une copper ou gold. Voilà pour les Rangers, Ryan Strome. Bon boy, un beau decoy. D'habitude, ils sont beaux, celui-là, il est tout magané. Regarde pareil. Allez, voilà, on s'en va faire le Artifacts 2021. Ah non, il l'a pas vu. Seigneur, c'est quoi de dire qu'il l'a pas vu à la vitesse qui est arrivée. Ça fait je sais pas combien de fois je vois Connor McDavid cette année comme ça. On dirait vraiment là. Pas que le monde le voit pas parce qu'il est trop rapide.
Il réussit juste à se faufiler au bon endroit, au bon moment, prendre une rondelle vide comme ça, que personne touche. On voit que tout le monde la regarde, ils se disent ah, une rondelle. Lui, il apprend, paf, puis il s'en va tout seul contre un but. Je pense que c'est là qu'on peut reconnaître l'étoffe d'un grand joueur, quand même, là. On dira ce qu'on voudra. Connor McDavid, solide choix et solide joueur pour les Oilers d'Edmonton. Mais en ce moment, nous avons une Henrik Lundqvist sur 499 pour les Rangers de New York. Ça, c'est du beau decoy. Deuxième paquet. On en a 8 par boîte hein, dans Artifacts. C'est quand même une boîte qui a toujours conservé le même ratio de cartes par boîte. Artifact, ça a toujours été pas mal ça. Alors, nous avons une Blake Wheeler, la Wayne Gretzky de 3,99 pour les Jets de Winnipeg. Et l'allusion, pas l'allusion, mais l'allusion ici pour dire que c'est la 99 de 3,99 pour les Jets de Winnipeg. Prochain paquet, le troisième de notre boîte, qui est au total notre quatrième pour ce break. Allons-y. Alors, Braden Holtby, Parise et Eskinen. Derrière tout ça, nous avons. Oh! Une Félix Potvin sur 75 pour les Maple Leafs de Toronto. Je crois que c'est orange. Mes yeux me disent que c'est orange. J'espère ne pas me tromper. Donc, Félix Potvin pour les Maple Leafs de Toronto sur 75. Disons orange. Orange orangé pour les Toronto Maple Leafs. Félix le chat. Prochain paquet. Le joueur du Canadien de Montréal, Tyler Toffoli. Drew Doughty, Tyler Bertuzzi. Et derrière, une Darcy Kuemper pour être original sur 299 pour les Coyotes de l'Arizona. De l'Arizona. Darcy Kuemper. Cinquième de notre paquet Artifacts 2021. Je vous rappelle qu'on devrait avoir naturellement une Redemption. Il y en a pratiquement une par boîte. Des fois, un peu plus. Ça peut arriver. Pour les. Encore les Maple Leafs. William Nylander. First print. Sur 175. 175 ici. William Nylander. La 1 de 175. William Nylander, double jersey et c'est Copper, je crois. Copper. Copper qui, semble-t-il, veut dire quelque chose comme du bronze. Et étant donné que brun, ben pas brun, mais bronze et or pour moi, c'est assez pareil. C'est difficile pour moi. On a une patch. Oh, patch. Hey, allons-y. Hey, Darcy Kuemper, il est partout. Il est partout, Darcy Kuemper. Oh, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant ici. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui. Qu'avons-nous? Un, deux, trois. Oh, Timo Selänne. Oh, nice. Pour les Ducks d'Anaheim. Wow! Oh, Timo Selänne! Lord Stanley's Legacy Relics! Holy Ducks d'Anaheim! Oh yeah! Je cherche un upload qui n'a pas déjà utilisé dedans. J'ai sorti ce qui s'appelle mes anciens neufs. On va juste tout simplement enlever la sleeve. Voilà. Mettre Timo Selänne. Ici, pour les Ducks, numéroté la 17. Moi, l'angle ici, 17 sur 25. Alors, il semble que ce soit un bout premium de relique ayant appartenu à Timo Selänne. Pour les Ducks d'Anaheim. Et voilà pour les Ducks. Voilà. C'est bien que ce soit des équipes un peu plus, comment je pourrais dire, hors normes. Les Ducks, on s'entend qu'ils ont des joueurs recrues, mais
c'est pas une équipe qui va frapper nécessairement tous les breaks. Très content pour les Ducks qui est à Carl. Félicitations, une belle. Timu Solani. Il nous reste deux paquets. Artifacts, et je crois que nous irons vers une R-Room. R-Room. Et R-Room ici. De David Pasternak. David Pasternak. R-Room. Et ici, le tableau de pour les Bruins de Boston. R-Room. David Pasternak. Quel joueur, hein? Avouons-le, je suis pas un fan des Bruins, hein. Vraiment pas. Mais avouons quand même que c'est un solide joueur. Le 88. The Bruins de Boston. David Pasternak. Our Room. Et notre dernier paquet ici. The Artifacts 2020 et 2021. Ça devrait être notre Redemption. Oui, c'est une Redemption. Je pensais que j'avais vu encore Darcy Kuemper. Et à qui ira notre Redemption? J'ai un feeling. I have a feeling. Je sais que c'est pas ça qu'il dit. Mais... Alors, la Redemption 2021 ici. Et pour les Coyotes de l'Arizona, Rookie Redemption. Et allons faire un petit tour très rapide de savoir à qui, mais pas à qui, mais qui est le joueur. Le fameux joueur ici, Artifacts. Alors, tantôt pour les Preds, on a eu une Redemption qui était Rem Pitlick. Et pour les Coyotes, et c'est Victor Soderstrom. Alors, Victor Soderstrom pour les Coyotes de l'Arizona. Rookie Redemption. Dernière boîte ici pour les fans de produits un peu plus high-end. C'est une boîte de Ultimate. Ultimate qui contient 4 cartes. Pas mal souvent 2, soit base ou jersey. Et 2 cartes très souvent numérotées, autographiées. En fait, Florence, il faut que tu comprennes quelque chose. Je t'explique le concept très rapidement pendant que j'ouvre le paquet. C'est que Artifacts, disons dans une saison normale de hockey, le produit Artifacts est le premier de l'année. Il sort en général au mois de septembre. Au mois de septembre, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée qui sera le joueur de quelle équipe. Alors au lieu de mettre une carte qui dit personne, parce qu'ils ne savent pas c'est qui, ils mettent ce qui s'appelle les Redemption d'équipe et ils mettent aussi des Wild Cards. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si une équipe aurait plus qu'un joueur, alors la carte Redemption de l'équipe serait un joueur et la wild card pourrait être un deuxième joueur de la même équipe. Donc, la réponse courte que je peux te fournir, c'est ça, c'est qu'ils ne connaissent pas l'identité des joueurs qui auront le statut de recrue. Parce que pour être statut de recrue dans la Ligue nationale, il faut, à une certaine date, avoir au minimum joué un match dans la Ligue nationale. Et si le joueur n'en a pas joué, il est non éligible pour devenir un statut de carte recrue aussi dans Upper Deck. J'espère que c'est clair. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, ça va me faire un grand plaisir d'éclaircir le sujet pour toi. Mais la plus grande logique, c'est que normalement, dans une année normale, le Artifact, c'est le premier produit de l'année. Il sort en septembre. Les équipes ne sont pas encore formées. Alors, on ne sait pas qui sera recrue pour quelle équipe. Et donc, c'est parti. Notre première carte ici dans le Ultimate. Rasmus Dahlin. Je mets des S partout. Ça me fait plaisir, Florence. Alors, Rasmus Dahlin pour les Sabres de Buffalo sur 149. Rasmus Dahlin. Par contre, le 2021 Artifacts est un peu une exception, mais la même règle s'applique. C'est juste la date qui est différente. Fait que quand ils ont sorti l'Artifacts, il n'est pas sorti en septembre, il est sorti un peu plus tard. Mais la saison a commencé en fin janvier. Alors, il n'y avait toujours pas de statut de recrue d'établi pour la majorité des joueurs. Ils n'ont pas vraiment le choix de sortir le produit quand même. On va aller en dessous. Je sais qu'en dessous, c'est souvent une jersey. Alors, ici, on a une Giovanni. Giovanni Smith.
Rookie Ultimate. Pour les Red Wings de Détroit, la 27 de 399, Giovanni Smith. Giovanni Smith pour les Red Wings, Rookie Ultimate Jersey. Pour les Red Wings, alors on devrait avoir la prochaine ici, peut être une autographe. Et l'autre devrait être soit une patch ou une patch autographe. Et je crois que nous avons une update. Non, c'est pas une update, excusez-moi, je me suis trompé d'année. Max Jones pour les Ducks. Pour les Ducks d'Anaheim, Max Jones, la 43 sur 225. Alors, coin-coin, Max Jones, Ultimate Rookie Autograph Hard Sign, sur 225, pour les Ducks. Voilà, et notre dernière carte pourrait possiblement être une Rookie Autograph Patch. Allons voir, allons voir. Et c'est un départ. 1, 2, ouh, c'est l'autre bord. Oh, 1, 2, 3. Oh, ce n'est pas une Rookie, mais c'est une Brent Burns pour les Sharks de San Jose. Boom! Brent Burns. Et c'est une patch de trois couleurs. Oui, oui, on la voit la troisième couleur. Je vais vous la montrer à l'écran. Brent Burns, Signature Laureate Materials. Voilà, à l'écran. On le voit ici, le teal. Teal, je pense que c'est turquoise ou un bleu vert. Je pense que turquoise est la définition la plus adéquate pour le mot teal en anglais. Alors, Brent Burns, Signature Laureate Material, numéro 21 de 49 pour les Sharks de Julien. Let's go pour les Sharks, Brent Burns. Et nous sommes malheureusement déjà rendus au moment de faire notre retour à l'arrière. Le retour sur le break, puisque nous avons ouvert nos 5 cartes. 5 cartes, prise 2. Nos 5 boîtes de cartes, désolé. Alors, juste le temps de vous montrer les deux ici, parce que je n'ai malheureusement plus les top loads adéquats. Ça va être sorti demain sans faute. Max Jones. Ultimate Rookies pour les Ducks sur 2,25 autographes. Giovanni Smith sur 399 pour les Red Wings de Détroit. Nous avons eu des Redemption également pour l'Arizona et pour les Preds. Haroom, David Pastrnak, Boston. William Nylander sur 175 Toronto. Ryan Strome sur 165 pour les Rangers. Haroom de Patrick Kane. Young Gun Checklist pour les Rangers. Lafrenière et Kravtsov. NHL Worldwide. J'essaie de trouver l'angle parfait pour chacune des cartes, c'est difficile. Alors, la die-cut gold, NHL Worldwide, Nicholas Backstrom pour les Caps, Philippe Kourachev, Young Gun, Chicago, Kevin Hayes, les Flyers, Jersey, Joseph Wall, Young Gun, Ingram, Young Gun, Sidney Crosby, c'est une Dazzlers Blue, Dylan Coughlin, Young Gun, Young Gun, Adam Bogvist, Pierre Engvall, Jonathan Davidson pour les Sénateurs. On en a un autre Davidson. Et oui, David, est-ce que ça... Ah non, lui, c'est Jonathan Davidson. Puis lui, c'est David Gustafsson. Ça, ça ressemble. Pour les Jets. Pour Toronto, Rasmus Sandin. Young on Canvas, Noah Gregor. Les Sharks, Philip Zadina. Pour Détroit, Vitaly Kravtsov. Pour les Rangers, Jake Oettinger. Young on Canvas, Dallas. Michael DiPietro, Jean Lau pour Vancouver, Lord Stanley's Legacy Relics 2007 de Timo Selänne sur 25. Alors, Timo Selänne, Marc-André Fleury, la 7 de 8 double patch violet, purple, une couleur qui ressemble à ça, qui a des tons de bleu, et notre dernière carte, et même la dernière que nous avons ouverte dans ce break, Signature Laureate Material triple couleur patch sur 49, Brent Burns. Brent Burns pour les Sharks. Et comme si on était à l'arena des Sharks, on ferait ça comme ça. Ouh, pour les Sharks,
Ah, désolé, je suis un fan des Sharks, donc je connais même les gestes qui se font dans l'aréna quand un but est marqué. Alors, un grand merci à tout le monde, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Pas non, pas j'apprécie, nous apprécions, toute l'équipe, on apprécie votre apport pour notre entreprise, pour les spots que vous avez pris. On espère vraiment que vous appréciez et n'hésitez pas là, à aller chercher des spots. À tout moment dans une journée, moi je peux partir le break. Si tout est prêt à 2 h l'après-midi, puis tout le monde est prêt, ben on y va à 2 h. Sinon, à 8 h le soir, 10 h le soir, comme bon ça vous semble, pourvu que les breaks se remplissent. Pour la suite des choses, n'hésitez pas, hein, il nous reste encore un break. Celui-ci est un produit un peu plus high-end, c'est-à-dire des boîtes qui sont un peu plus chères de COP. On a une série 1, série 2 de 2021. On a une Black Diamond et 3 Clear Cut 19-20. On espère vraiment que ça va frapper fort. De COP. Ça promet. Comme je vous dis, alors on devrait vous mettre quelques breaks supplémentaires de hockey au courant de la journée de demain ou d'après-demain. Ça devrait être fait demain. Surveillez nos pages et notre site internet. Je vais faire probablement un post pour vous aviser. Et je le rappelle à tous ceux qui et celles qui nous regardent sur le groupe privé. Et ce sera bientôt fait aussi sur la page de stack.ca. On a toujours un post où la liste de tous les breaks en cours sont affichés. Tout simplement, allez voir ça à l'entrée du groupe. Et vous pouvez savoir en cliquant sur le lien qu'est-ce qu'on peut ouvrir et quand on peut l'ouvrir. Alors voilà, ça me fait plaisir de faire ça pour vous ce soir. J'espère vous voir très bientôt et au nom de stack.ca. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Au revoir.